c'est le pas. Je reverrai à Pascal. C'est pas plus sûr. Honorable président de la Villa Po, frères et sœurs, peuple dédié, shalom. Après les interventions que nous venons de suivre, il n'est pas facile de garder les mains dans la parole. Je n'ai pas beaucoup à dire, si ce n'est de rendre grâce à l'Éternel Dieu, qui a permis en ce jour dominical de me retrouver dans ces liens saints, à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes aux révérends pasteurs, pour leur mérite, pour leur travail, pour leur abnégation, pour leur sacrifice, pour leur vocation à l'œuvre de Dieu. Honorable Kadeti Mala Iroké, cette cérémonie marque aussi la fin du centenaire de Silva, que nous avons eu l'honneur de participer il y a quelques temps. Si je ne me trompe pas, c'était il y a 2 semaines, à Casiba. Je suis donc à féliciter tous les lauréats. Et je suis convaincu, comme l'a dit le révérend représentant légal, ces prix de mérite n'ont pas été décernés comme chez nous, le mondain. Mais ça a été une sélection inspirée par le Saint-Esprit. Donc, félicitations à tous les lauréats. Je le félicite et je rends grâce à Dieu, tout particulièrement au pasteur Bougiri. Cet homme est une icône à côté du pasteur Mugabe, si je ne sais pas prononcer les mots. Vous êtes des icônes, pasteur Mugabe, Mbagwa et le pasteur Bougiri. Des icônes pour cette église. Et tout particulièrement pour moi, je voudrais d'une façon particulière remercier l'Éternel Dieu pour le pasteur Bougiri. Il a dit lui-même, et nous avons suivi, c'est grâce à Dieu qu'il est aujourd'hui parmi nous. Dieu lui a rendu grâce, il a frôlé la mort, mais Dieu a décidé qu'il reste encore avec nous. Et nous avons encore besoin. Moi, c'est un père spirituel. Amen. Comme l'a dit le révérend pasteur, il y a des gouverneurs qui n'ont pas honte de confesser leur foi chrétienne. Moi, je confesse ma foi. Nous faisons de cette catégorie de politiciens qui croient en Dieu. Amen. Comme l'honorable Norbert Katitima. Il a été gouverneur, ministre, président de la CENI. Et je ne peux pas continuer, il a servi son pays à reconnaissance chaque fois qu'il est un serviteur de Dieu. J'ai toujours été frappé chaque fois quand il prend la parole, et aujourd'hui c'était une exception. Les Namchukuru, que vous avez toujours chanté chaque fois quand vous êtes dans une cérémonie. Et je fais aussi cette cantique viatique à ceux qui me concernent, puisqu'effectivement sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire et nous allons demander à l'église Philadelphie, à la communauté CEPA, de continuer à prier pour les dirigeants du Congo. Je pense au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il a besoin de vos prières. Je pense à moi-même et à l'ensemble de tous les gouvernements, continuer à prier pour nous, pour que nous soyons dignes des serviteurs de l'État. Je voudrais dire que le pasteur Bougiri est une icône, puisque c'est un homme qui est déterminé dans sa foi. La moralité, l'intégrité, la véracité, puisqu'il n'hésite pas de dire aussi là où ça touche mal. Il y a 14 ans, j'étais dans cette église, au cours d'une cérémonie. Et il est monté ici quand on a commencé à déborder, il nous a remis en place. Il y a 14 ans, j'étais ici. Et je pense que quand nous avons connu les airs sombres dans cette province, cet homme s'est levé
pour dire la vérité. Puisque ceux qui sont appelés à dire la vérité ne sont pas nombreux dans notre pays, dans notre province. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous nous voulons que vous viviez encore très longtemps avec nous. Pour que votre mission, qui est certes prophétique, mais aussi une mission politique, parce que chaque fois que vous me recevez, je suis ici, je viens de découvrir l'Alliance, et c'est une histoire longue avec le père Katitima. Continuez à nous dire la vérité, continuez à nous guider. Que surtout vos valeurs chrétiennes restent pour nous de repère. Je dis merci, je ne veux pas trop demander, je ne veux pas échapper aussi à la règle, puisque quand il y a les nominés, il y a les lauréats, il faut aussi prévoir les petits cadeaux. Donc j'offre à chaque lauréat une vache. Et je ne peux terminer mon propos sans demander à CELPA de continuer aussi sa mission, puisque la CELPA est dans l'enseignement, la CELPA est dans la santé. C'est un outil important et c'est un accompagnement pour le gouvernement provincial. Papa Bougéry, vous nous avez donné le conseil, vous nous avez félicité, mais vous nous avez dit aussi qu'il y a encore un chemin à faire. Mais nous ne pouvons le faire que si nous avons la stabilité, si nous avons l'unité dans la province. Continuez à prier pour nous et que Dieu vous bénisse.